Je vais vous parler de ce thème qui est affiché vaincre le sentiment de culpabilité. Alors pour ceux qui ont participé à l'un des cultes ici dimanche passé, vous aurez été encouragés par le message d'Isabelle, moitié sur l'intelligence spirituelle. J'ai beaucoup apprécié ce message et si vous l'avez pas entendu, vous pouvez les réécouter. Euh, voilà. D'ailleurs tous les messages sur notre site internet. Et ce dimanche, eh bien, on va se laisser stimuler, je l'espère, encourager par le Seigneur aussi, parce que je pense que c'est son intention aussi par euh, les quelques lignes, les quelques euh, paroles qui m'a mis sur le cœur aujourd'hui, en ce mois de janvier. Eh bien, on a parlé aussi du réconfort qu'on peut, qu peut puiser dans le Seigneur, hein, le réconfort qu'on qu peut recevoir en Dieu, dans le but aussi eh bien, de, de réconforter. Ce n'est pas juste pour soi, ce n'est pas juste pour qu'on soit bien. Mais en fait, il y a toujours un objectif, c'est que Dieu nous réconforte dans le but aussi d'apporter aussi aux autres cette bénédiction du Seigneur, à d'autres. Et, et c'est ce verset de, de Corinthiens 1, verset 4, qui dit, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'on puisse réconforter vraiment cet, cet objectif. Et c'est vrai qu'on est affranchi afin d'être en paix avec Dieu, les uns avec les autres, avec soi-même. Et on va poursuivre un petit peu dans cette ligne-là. Ligne ce dimanche, donc, on va parler de la culpabilité. Alors, j'espère que vous sortirez pas avec ce sentiment-là dans votre cœur, hein, mais que vous ayez pu, euh, si euh, ce sentiment vous accable et, et vous pollue la vie, parce que c'est le cas, vous pourrit la vie. et eh bien, que vous puissiez avoir quelques clés pour euh, être un petit peu plus libre. Donc, l'importance de détrôner ce sentiment de culpabilité. C'est vrai que la culpabilité, qu'est-ce que c'est? J'ai un, un petit peu fouillé voilà, dans, 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 dans la Bible par rapport à, à, à ça. J'ai fouillé aussi euh, ce thème, évidemment. Mais la culpabilité, selon la définition du dictionnaire, c'est carrément le dictionnaire euh, qui le dit c'est l'état d'une personne qui est coupable. Prouver la culpabilité d'un accusé. Bon, ben, ça, on, on connaît, mais ce n'était pas celle que je pensais. Et. Deuxième définition, sentiment de culpabilité par lequel on se sent coupable. Alors voilà, c'est un sentiment plutôt désagréable qui peut prendre parfois beaucoup de place dans notre esprit. La culpabilité elle apparaît lorsqu'on a commis une faute, qu'on a transgressé une règle ou fait du tort à autrui. C'est aussi une émotion qui est très subjective. Ce n'est pas toujours très objectif. Ce sentiment de culpabilité part souvent d'une auto-évaluation. Alors, suivant comment on s'évalue ou on s'auto-évalue, eh bien, euh, c'est souvent un problème. Alors, Isabelle a parlé de dix, dix, euh, dix types d'intelligence. Et c'est vrai qu'en fouillant, j'ai trouvé huit types de culpabilité. Mais. C'est juste pour, euh, pour rigoler et ce n'est pas là-dessus, c'est pas sur cette base du tout que je, vais, que, je vais, que je vais partir. Huit types de culpabilité. Type égocentrique, la, la culpabilité passive, la culpabilité contrôlante, la culpabilité systémique, la culpabilité transgénérationnelle, la culpabilité archétypique, voilà, réactionnelle ou du survivant instituée ou naturelle. Donc voilà, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces culpabilités-là, et après, dans le tableau, c'est expliqué un petit peu comment. Et on peut même culpabiliser par, culpabiliser par rapport à, à soi-même quand on ne fait pas assez d'activité physique. On peut tout à coup culpabiliser, ou si on mange trop d'aliments malsains, ou après les fêtes, je ne sais pas, euh, si on a trop euh, fait bonbons. <laughs> Euh, manger trop de chocolat, aussi on peut se sentir coupable alors que parfois il n'y a pas lieu d'être. Et j'ai découvert aussi eh bien que la culpabilité vient très exactement de là dans votre cerveau. Dans le cerveau on trouve l'empreinte cérébrale, cérébrale, la culpabilité à la jonction temporoparietale du cerveau et c'est là que ça se passe quand ils mettent des électrodes et autres. Voilà. Vous aurez peut-être appris quelque chose, mais on va s'arrêter là euh, dans les définitions. Alors c'est la partie dont on sert lorsqu'on se représente les états mentaux d'autrui aussi. L'être humain est équipé pour ressentir cette émotion parce qu'elle a une fonction sociale qui est, qui est bien précise. Et dans la culpabilité, on se met un peu dans la peau de la personne qui a été lésée. On examine ça aussi d'un certain point de vue. Et c'est ce qui donne aussi l'impulsion pour aller vers elle, pour s'excuser ou pour se justifier d'ailleurs. Peut-être, voilà, c'est aussi ce qui donne cette dimension, cette, cette volonté d'une dimension réparatrice pour pouvoir réparer aussi ces choses. Alors on est passé aussi dans notre société à l'heure actuelle un petit peu d'une culpabilité imposée ou induite par la religion. Et maintenant, la, la nouvelle religion, c'est plutôt l'écologie. Donc on, on passe de la culpabilité de, de la religion à, à, à l'écologie. Aujourd'hui, on craint plus tellement d'aller en enfer, mais plutôt de, de détruire sa santé ou de détruire la planète. Et en psychanalyse, eh bien, on retrouve souvent ça lié à la mère qui a souffert pour nous et on est coupable voilà, d'avoir fait, fait mal. On pense avoir cette dette envers elle. Si on n'en fait pas assez pour elle, on peut se sentir coupable. Comme aujourd'hui, on peut se sentir coupable par rapport à la planète, par rapport à différentes choses. Se sentir fautif envers autrui, eh bien, il paraît qu'on peut. Euh, que, ça, que ça commence à l'âge de 3 ans. Intéressant. Alors, Yves-Alexandre Talman, qui a un doctorat en sciences naturelles et un master en psychologie, qui est enseignant et professeur de psychologie à Fribourg, va dire la culpabilité n'est pas une émotion primaire comme la colère ou la peur. Pour qu'elle apparaisse, il faut que la conscience de soi soit opérationnelle, souvent vers trois ans. Donc voilà. Intéressant toutes ces choses. Hein. Mais où est-ce qu'il veut en venir <laughs> eh, Ne partez pas tout de suite. Hein. Ne partez pas tout de suite. Hein. Comme elle est basée sur le ressenti, son apparition varie selon l'éducation aussi qu'on a pu recevoir, la société dans laquelle on évolue. Et chaque société, chaque famille à ces normes morales sur lesquelles on insiste plus ou moins, ce qui explique qu'on ne va pas tous avoir les mêmes seuils de culpabilité. Et, j'ai trouvé ça intéressant, il semblerait que les femmes sont, ont plus ce sentiment de culpabilité que les hommes. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne sais pas comment les scientifiques se débrouillent avec ça maintenant, vu qu'on ne veut plus faire de différence avec les genres et autres. Euh, mais ce n'est pas des chrétiens qui le disent. La culpabilité, ils le disent aussi dans les universités, s'observe plus chez les femmes que chez les hommes. Voilà. Trop de culpabilité peut entraîner des maladies graves. Et là, je pense que ça commence à devenir un petit peu intéressant. Et euh, parfois, des personnes victimes d'abus ou de, de personnes qui ont provoqué des accidents ont. Euh, voilà, qui, ont, qui ont provoqué un accident, ont développé aussi des, des mécanismes de rumination, leur pensée évolue entre surpuissance, impuissance. Parfois, il y, y a un petit peu les deux qui se mélangent et il y a ce risque de développer des pathologies plus lourdes, de la dépression, de l'anxiété et d'autres choses. La culpabilité, c'est véritablement la corrosion de l'âme. Et en tant que pasteur, en tant que pasteur on rencontre des gens qui ont fait certaines choses, qui ont vécu euh, certaines, certaines choses qui 20 ans, 30 ans après, ont encore gardé euh, des, des traces. Parfois même des gens qui ont, ont choisi pour x ou y raison et bien par exemple un, un avortement ou comme ça, 20 ans ou 30 ans après, en, en discutant, eh bien, ces personnes, on a besoin de les amener à la croix et qu'ils puissent trouver aussi la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et qu'ils puissent être libérés de ces choses. Alors que ça s'est passé, tu diras, mais il y a voilà, tu as 70 ans et tu te dis, ça s'est passé il y a 40 ans avant et euh, les personnes ont encore ce, ce sentiment qu'elle a gravé comme ce, ce fardeau sur leur vie. Alors si des personnes se sentent extrêmement coupables et qu'elles sont privées de la possibilité de réparation, eh bien elles vont se sentir responsables de tout en permanence jusqu'à parfois vouloir s'infliger du mal, il y a la scarification ou d'autres phénomènes, on le voit aussi chez des ados ou, ou d'autres personnes. Pour en terminer avec euh ça, après, on en viendra quand même à la Bible. Je crois qu'il faut un bon dosage de culpabilité. Un bon dosage. La culpabilité, on peut s'en libérer, on peut faire en sorte qu'elle n'envahisse pas tout, mais imaginer qu'on pourrait vivre sans, je crois que c'est illusoire, parce que ça fait partie un petit peu de, de comment Dieu nous a créés, entre mélange de conscience et autres, le bien, le mal et autres. Pour être constructive, elle doit être limitée dans le temps et à un objet. Elle doit être aussi réparable, qu'on ait la possibilité d'agir pour faire diminuer aussi ce sentiment. Sinon, on rentre dans une culpabilité qui va être étouffante. Et c'est là, après avoir dressé un petit peu ce, ce portrait, bien que voilà, j'aimerais nous rappeler l'importance eh de détrôner la culpabilité dans notre vie. Et combien de personnes sont sujettes à cela pendant des années et des années et ont vraiment ce sentiment de culpabilité et ont de la peine à avancer. Au moindre entre guillemets, péché, au moindre écart, eh bien, ils s'imaginent qu'il y a une couche supplémentaire qui se rajoute à tout ce qu'ils ont déjà fait. Ils oublient qu'à la croix, ils ont déjà été pardonnés. Et finalement, eh c'est très destructeur et comme on l'a dit, ça peut créer des maladies, ça peut créer parfois même des insomnies, des problèmes physiques, psychiques et autres. Vous connaissez dans la Bible l'histoire de Jochebed, c'est la mère de Moïse, l'homme qui sera utilisé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Lorsque jo Jochebed venait d'accoucher pour la troisième fois, il y avait eu Aaron et Myriam avant. J'imagine quelle fierté, quelle joie pour, pour une mère. Mais ce n'était pas tout à fait le cas parce qu'il y avait un peu un pharaon, un, un gouvernant qui était totalement euh, disjoncté. Et cette joie a été de bien courte durée parce que malheureusement, c'était un garçon. Et tous les garçons, voilà, à cette époque, le peuple d'Israël était asservi par les Égyptiens, soumis à de durs travaux et ça dans le livre de l'Exode, plus on accablait les Hébreux, plus ils se multipliaient, et ça a déplu une fois de plus aux Égyptiens, qui leur rendaient la vie de plus en plus amère, de plus en plus dure. Et pour combler le tout, eh bien le roi a donné l'ordre aux sages femmes de faire mourir les garçons et de laisser en vie les filles. Et le Pharaon va dire à ces sages femmes, dans Exode 1, verset 22, il va dire, vous jetterez dans le Nil tous les garçons et vous laisserez vivre les filles. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer ça. Ça devait être juste horrible. Et là, on a notre Jochebed qui vient d'accoucher d'un petit garçon merveilleux. C'est chaud, hein C'est chaud, c'est chaud. Moïse, vous imaginez les angoisses à chaque fois que le bébé pleurait, par exemple. Elle peut le cacher un, un temps, mais... Euh, on lit ça dans Exode 2, verset 3. Ensuite, ne pouvant plus le cacher, elle prit une corbeille en tige de papyrus, son en jonc, enfin voilà, elle, elle la rendit étanche avec du bitume et de la poix et déposa l'enfant et alla le placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. J'ose pas imaginer. J'ose pas imaginer. À ses yeux, tout était terminé. Son fils de trois mois, dans une caisse de jonc sur le Nil, infesté de crocos. Elle devait désespérer que quelqu'un le secoure. Jokebed a dû prendre conscience de ses propres limites. Elle a ouais, tout abandonné aussi à Dieu. Et vous êtes peut-être parfois trouvé dans une telle situation. Moi, je vous invite à tout déposer dans la corbeille aussi. Un petit peu comme Joquebed, en disant Ben, À la grâce de Dieu, Seigneur, je te confie j'ai fait ce que je pouvais mais je ne peux pas faire plus et Seigneur je confie cette situation à ta grâce et ce qui est fascinant ce qui c'est qu'il fallait que Moïse soit placé dans le panier afin d'y être recueilli par la fille du pharaon et il va devenir plus tard le grand libérateur d'Israël D'Apocalypse 12, 10, il est écrit maintenant, le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne, maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Jeté hors du ciel. Il y a ce temps du salut qui est arrivé, c'était le temps du salut aussi pour, pour Moïse et Jochébed. Voilà, elle a pris la bonne décision. Une des stratégies du diable est de nous maintenir esclaves de notre passé. Et cette femme, ce peuple était esclave. Il vole votre avenir avec les souvenirs de vos échecs, de vos fautes passées. Et parfois, on peut vivre à ce cycle espérance, souvenir du passé, culpabilité, découragement. Espérance, souvenir du passé, culpabilité, découragement. Espérance et combien de fois on peut voir ces choses-là à leur compris pour des personnes. Et si vous vous sentez dans, dans, rejoint par cela ce matin, sachez que vous n'êtes de loin pas la seule personne. Mais il y a un avenir avec de l'espérance. Entendez l'invitation à vivre les conséquences de la croix dans votre vie. Et c'est là où ça devient intéressant c'est lorsqu'on se rend compte des conséquences. De la croix dans notre vie. On va voir trois conséquences de la croix dans notre vie ce matin. Et tout d'abord, la joie d'être pardonné, la joie de se savoir pardonné. On n'est plus sous le poids d'un fardeau de culpabilité, de fausse ou vraie d'ailleurs, ni sous l'avril des remords qui persistent, qui tournoient dans notre tête. Là, l'endroit où je vous ai montré sur l'image. On est pardonné, lavé, purifié et Jésus a porté nos fardeaux, nos péchés sur la croix. Soyez assurés mes frères et sœurs, eh bien que vos péchés confessés seront jetés au fond de la mer et Dieu les oublie à jamais. Il s'en souviendra plus. Au Psaume 103 et au verset 12, il est dit autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Donc aussi loin que tu peux aller à gauche et à droite, <laughs> c'est infini. Dans Miché 7, 18 et 19, il est dit, quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple et qui t'appartient Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. On accuse parfois ceux qui prêchent à la croix de culpabiliser les gens. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dans, en prêchant la croix, il y a cette espérance du salut, cette espérance d'être sauvé, d'être libéré. Il n'y a rien de plus libérateur que le message de la croix. Tu peux tout recommencer, tu peux repartir à, à zéro parce que Jésus a tout payé. C'est Jésus qui a dit tout est accompli à la croix. Et beaucoup de personnes ont de la peine à accepter cette grâce. Alors ce n'est pas une grâce qui a coûté rien du tout à personne, elle a coûté la vie à notre Seigneur. Mais c'est comme une nouvelle page qui s'ouvre, un nouveau jour qui se lève sur notre vie. Alors il y a cette joie de se savoir pardonner, il y a aussi la joie de se savoir aimé. Le premier besoin, le plus fondamental pour l'être humain, c'est de se savoir aimer, de s'en sentir aimé, de ressentir cet amour. Et l'amour, c'est pas un luxe pour se sentir bien dans sa peau. On a besoin de ça. C'est pas, euh, On pourrait dire, ah, on peut s'en passer parce que euh, je suis pauvre, donc je n'ai pas besoin de, de trop. Non. Qui que l'on soit, on a besoin de ça, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit... Euh, qu'on ait un doctorat ou qu'on n'ait même pas fait de formation euh, voilà, qui a pu être euh, validée par, euh, par quelqu'un. Non, on a besoin de se sentir aimé. Et il y a cette joie qui est pareille. On est tous égaux avec euh, ce besoin et aussi ce, cet amour que Dieu nous donne. Il nous est nécessaire, aussi nécessaire que l'air qu'on respire, pour vivre. Et c'est bien ce que la croix nous révèle, c'est l'amour de Dieu manifesté parmi les hommes. Tu es aimé totalement et inconditionnellement parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Troisième chose, c'est la joie aussi de se savoir en communion avec Dieu, c'est ce que la croix révèle. Dieu n'est plus un être lointain. Et mystérieux, non, on peut être euh, il est ce Dieu avec lequel on peut être en communion et c'est aussi pour cela qu'on célèbre la Sainte Cène. C'est parce qu'on est en communion les uns avec les autres mais aussi avec le Seigneur, la croix a supprimé tout ce qui me séparait de lui. Le voile du temple s'est déchiré, et je peux entrer dans le lieu très saint, dit l'auteur aux Hébreux et je peux m'adresser au Dieu tout-puissant, il est mon père et je suis son enfant et c'est pourquoi le culte devrait être caractérisé par la joie et la louange la joie et la louange parce qu'il y, y a cette joie d'être en communion avec dieu le culte ce n'est pas un enterrement c'est pas un enterrement d'ailleurs les psaumes sont là pour nous rappeler eh bien qu'il y a de la joie qu'il y a des instruments qu'il y a Faites retentir avec joie, danser avec joie. Enfin, on est un petit peu privé de danse, c'est même interdit actuellement de danser dans les églises, mais bon, bref, ça c'est. Mais cette joie, on peut le faire aussi parce que, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être uniquement dans une église pour pouvoir louer le Seigneur, parce que si vous le faites que le dimanche ou que quand il y a des, des temps de culte, vous pouvez, lorsque vous vous promenez dans la nature, alors, si vous dansez dans la rue, peut-être qu'on va vous prendre pour quelqu'un d'un peu bizarre, mais, euh, mais dans la forêt ou j'en sais rien, vous pouvez euh, voilà, vous, vous exprimer aussi et adorer le Seigneur avec joie aussi et, et le célébrer pour l'étendue de, de ses bienfaits. Attention aussi pour, euh, à l'autorité de nos propres paroles. Ne donnez pas accès au diable par des paroles négatives. Fermez la porte de votre cœur par des pensées pures, par des pensées bonnes, par des pensées honnêtes. Et Jacques va parler aussi de l'importance de nos paroles, mais elles sont aussi valables sur nous, ce qu'on s'attribue. Résister à l'ennemi de votre âme avec une foi ferme en demeurant dans cette parole infaillible. Et si le diable vous rappelle votre passé, eh bien arrêtez-vous et dites-lui qu'un avenir sûr et certain lui est réservé aussi dans les temps de feu. C'est dans Apocalypse 20, verset 10 d'ailleurs. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc si le diable voudrait se rappeler à nous en nous rappelant certaines choses, vous pouvez vous rappeler des promesses du Seigneur et lui rappeler les promesses qui sont faites pour lui aussi dans la parole de Dieu. Alors souviens-toi que c'est pas ton attachement à Christ qui te sauve, non C'est Christ qui te sauve. On me direz, elle est où la différence Elle est quand même bien là. Souvent on croit que c'est par nos propres mérites, mais en premier lieu, c'est parce que Christ a tout accompli. C'est Christ qui me sauve. C'est pas ta joie en Christ qui te sauve, mais là encore, c'est Christ qui te sauve. C'est même pas ta foi en Christ, bien qu'elle soit. Un instrument aussi entre les mains de Dieu, mais c'est le sang et le mérite de Christ qui te sauve. En d'autres termes, tout nous vient de Dieu. Et pour terminer, encore quelques notions à entretenir, qui sont vecteurs de, de libération par rapport à la culpabilité. Il y a le pardon. Le pardon. Pardonner, pardonner, c'est lever la culpabilité de l'autre et introduire la paix en soi. Lorsqu'on pardonne, eh bien, on permet que l'autre puisse sortir aussi d'une certaine forme de culpabilité. On voit combien la Bible insiste par rapport au pardon. D'ailleurs, pardonne-nous nos offenses. Hein. La Bible insiste où, euh, combien de fois je devrais pardonner à mon frère s'il m'a fait du tort. Est-ce que c'est jusqu'à sept fois Puis Jésus va dire jusqu'à 77 sept fois cette fois, enfin à l'infini, là aussi. Le pardon... C'est très important pour soi-même parce que déjà c'est nous qu'on se libère de, de nos fardeaux, de nos péchés, mais on permet aussi que d'autres, eh bien, il se ce, ce joug tombe de même. J'ai toujours cette image de Cori qui était dans une conférence en Allemagne, qui a vécu les camps de concentration, qui avait écrit le livre Dieu en enfer. Elle avait été dans le camp de concentration à Ravensbrück et toute sa famille était, y était décédée et elle avait, eu, euh, elle avait survécu c'était une des survivantes de, de la Shoah et toutes les années de sa vie elle est décédée il y a quelques années en arrière mais elle a donné des conférences, elle a annoncé l'évangile aussi et il s'est trouvé qu'un jour en Allemagne elle annonçait euh, l'évangile dans une église et là devant elle et elle l'a reconnu. Il y avait un des gardiens du camp de concentration qui avait été un des, des tortionnaires de sa sœur, notamment, qui est décédé dans le camp de concentration. Et je ne sais plus exactement tous les détails, mais elle raconte toutes les, émotions par lesquelles, toutes les émotions par lesquelles elle est passée. Et cet homme qui avait manifestement donné sa vie à Jésus, et finalement, après la réunion, elle raconte aussi comment ils ont pu se serrer la main et... Euh, et quel combat aussi pour elle ça a été, mais certainement pour ce bourreau tortionnaire nazi, ex-nazi, ça a été aussi quelque chose qu'il avait certainement besoin aussi de recevoir, mais pour elle aussi. Pour elle aussi par rapport à, à l'amertume. Alors évidemment, c'est tout un processus et Dieu travaille notre cœur. Et, et je ne dis pas qu'il faut sauter dans les bras de nos tortionnaires et de nos bourreaux. Euh, <laughs> Comme ça, mais elle était passée par euh, pas mal de processus de guérison et il y avait eu tout un cheminement et on ne va pas prendre des raccourcis, c'est comme ça, donc tu dois a égal. Euh, mais il y a tout un cheminement et, et, et finalement, bah, c'est ce pardon qui est, qui est véritablement une puissance qui nous libère, mais aussi qui libère les autres et qui nous permet aussi d'être délivrés de la culpabilité. Il y a l'humilité. Aussi, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, c'est dans Jacques 4, 6, il y a l'importance aussi par rapport à la culpabilité eh bien de réparer si c'est possible, et réparer nos torts dans la mesure du possible. Si on en a la possibilité, c'est important de le faire aussi. On a l'exemple de Zachée ou d'autres personnes dans la Bible, et bien évidemment faire des choix qui me conduisent à ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que si on a un Dieu de grâce qui pardonne, qui libère et qui remet le compteur à zéro, <laughs> et ça c'est juste magnifique, et c'est une vérité qu'on qu ne peut pas effacer dans, dans, dans la Bible, ben, c'est aussi très important de prendre des résolutions, des décisions avec l'aide et la grâce de Dieu et peut-être même l'aide de la prière pour changer, pour ne pas retomber dans les mêmes travers pour ne pas retomber à à, à ce qu'on a à ce qu sait que, que Dieu Dieu réprouve et qui va créer en nous bien des culpabilités on le sait si on retombe dans certaines choses eh bien finalement ça va nous ça va encore plus nous gâcher la vie et si on dit mais c'est plus fort que moi eh bien on a justement besoin d'une double grâce afin de pouvoir s'en sortir alors voilà notre Joquébède qui a confié son bébé à Dieu, en guillemets, au Nil, en disant « ben j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait tout ce que je pouvais et je ne sais pas trop comment elle a appris ou pas appris euh, voilà que son fils, en tout cas euh, ben, elle l'a su vu qu'elle a pu éduquer, élever son fils pendant quelque temps jusqu'à ce qu'il soit sevré ». Après elle, a, après, elle a dû leur, leur donner à la fille du, du Pharaon. Mais euh, là aussi, eh bien, on peut recevoir cette grâce, cet amour de Dieu, en simplement se, se confiant en Dieu, confiant aussi euh, notre culpabilité ou notre, euh, notre fardeau, nos questionnements, en les mettant dans, dans ce panier, dans ce panier de la grâce de Dieu, dans ce panier de la... Providence de Dieu aussi. Et si ce matin, eh bien, tu te sens dans, avec ce sentiment de culpabilité, Moi, je t'invite à pas repartir comme ça. Je t'invite à pas repartir comme ça de ce temps de culte. En prenant la Sainte Seine, c'est une occasion magistrale, eh bien, de dire :« Mais Seigneur, je te remets aussi tout, tout ce sentiment de culpabilité. Je te remets. » Peut-être que c'est à juste titre qu'il y a quelque chose qui vous accuse dans, dans votre vie, un péché non confessé, ou quelque chose que vous pratiquez qui est contraire à la parole de Dieu. Dans ce cas, je vous invite là aussi eh bien, à mettre simplement votre vie en règle et à demander à Dieu cette force de, de régler ces choses. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà confessé. ou que vous ne pouvez même plus régler parce que ça, ça appartient au passé, mais ça vous empoisonne la vie. Mettez-le encore, euh, mettez ça à la croix. Et dites à Jésus, mais j'en veux plus, ça a trop pourri ma vie. C'est un petit peu le cancer de Il y avait cette image. C'est un petit peu la, la corrosion de mon âme, Et j'en veux plus. J'en veux plus de ça. J'en veux plus de ça. Et si ce matin, eh bien... Tu as envie de sortir de ce, de ce cercle, de ce cercle vicieux de la, de la culpabilité, de l'accusation, des fausses accusations du diable qui te rappellent ton passé. Je t'invite simplement à laisser cette culpabilité à la croix, à te lever à ta place, et, et je vais prier, je vais prier pour pour vous, afin que vous puissiez sortir de ce, de ce sentiment. Quel qu'il soit, si, si tu sens que ce n'est pas normal, hein, et s'il y a quelque chose que tu, tu peux simplement régler, ben, prends la résolution de le régler. Lève-toi et prends la résolution de régler ces choses-là avec l'aide et la grâce de Dieu. Et si tu ne peux plus agir dessus, laisse à la croix cette culpabilité. Demande pardon à Dieu si c'est nécessaire hein, dans ton cœur hein, et va de l'avant. Va de l'avant. Alors, si quelqu'un se sent appelé à laisser ça abandonner à la croix, levez-vous à votre place et je vais prier. Oh Jésus. Seigneur, tu as pris tout ce qui nous accusait à la croix, tout souvenir du passé douloureux. Tu as pris à la croix, Jésus. Tout sentiment de culpabilité, de découragement, tu as pris à la croix, Jésus. Et Seigneur, toute chose qui a peut-être été pas encore réglée, Seigneur, ça aussi d'avance, hein, tu as payé le prix. Je te prie, Seigneur, pour frères, ces frères, tes sœurs, hein, afin qu'ils puissent être visités par ta grâce. Seigneur, recevoir. Ce sentiment Seigneur de pardon cette grâce sur leur vie que la culpabilité soit détrônée dans leur vie jésus Seigneur qu'ils puissent avoir la joie de se savoir pardonner la joie de se savoir aimé et Seigneur qu'en prenant part à la sainte scène tout à l'heure ils puissent avoir cette joie de se savoir en communion avec toi puis, Seigneur, si c'est quelque chose de récurrent dans, dans leur vie, ben, Seigneur, tu les, tu les aides à, à ne plus reproduire ces mêmes erreurs. Seigneur, que désormais, Seigneur, avec ton aide, avec ta grâce, avec tes forces, eh bien, ils aient la force de résister au diable afin de ne plus entrer sous l'accusation de l'accusateur. Merci Jésus pour ta grâce. Amen.